Salut Laurent. Salut. Ça va bien? Bon, Laurent, aujourd'hui, tu es à Milan, mais d'habitude, tu travailles où, toi? Je travaille dans une petite boulangerie montréalaise. Qui s'appelle Première Moisson, je crois. Ok, ok. J'ai pas, j'ai pas pu mettre mon t-shirt ce matin avec un P. Non, il n'y a pas de droit. Ah, ok, ok, ok. J'étais interdit par mon fournisseur principal, qui a fait. Tout son argent et sa renommée depuis 20 ans grâce à cette petite boulangerie montréalaise. Ah, le mental. Bon, ceci dit, aujourd'hui, tu vas diviser. Là, tu es en train de prendre une pâte. Non, là, c'est une pâte de... C'est la seule de blé de caractère. C'est ça? Que tu as essayé en fermentation longue, c'est ça? C'est ça. Dans le but d'éventuellement faire une maquette composée de blé de caractère et de blé... Ouais, l'idée, c'est de... On a déjà une idée, c'est de faire une couleur. C'est d'avoir un assemblage entre des blés de caractère et des blés d'automne. Maintenant, okay. On reste à savoir quelle variété et quelle proportion. Donc, le but de ces trois jours, c'est aussi de pouvoir avoir une visibilité de l'ensemble des variétés qui existent et puis d'avoir leurs caractéristiques en panification. Hier, tu as travaillé les blés de caractère déjà, hein? Oui. Puis, première impression, tu as déjà une impression? Oui, il y en a un 2013. Qui devrait m'intéresser un peu plus que les autres. Ok. Au point de vue de? Intéressant à quel niveau? Surtout au niveau du résultat final. Mais souvent, c'est quand on a un bon résultat final, on a une difficulté à les travailler et inversement. Donc ça veut dire que c'est une composition, il faut trouver un juste équilibre entre la tolérance dans la panification et puis le résultat final.